elle est passée au rouge. Ah, ça va être galère là-dedans. Faut tourner là. Oui, je prends une remorque pour aller à Paris. Hein. Jamais de trajet à vide. Non mais. Comment tu fais ça pour prendre une remorque? Là, j'ai fait dans le marché du travail et puis après gagner de l'argent pour votre entreprise. Ah oui, ça je le ferai. Je le ferai en solo. Moi, je suis le caméraman. Je supervise vos boulots. Ouais. Mais le truc, c'est que il m'indique même pas une remorque, le con. Super. T'es pas trompé d'entrepôt, non? Non, parce que le chemin pour aller ici, voilà, il a disparu, mais je peux toujours. Je vois pas de zone pour chercher. On est en collision, ouais. Ah, ça veut dire ça, qu'on peut se passer à travers. Le gros bordel. Ouais. Je croyais que ça voulait dire ne pas se rentrer dedans. Je me suis mis au fond pour gêner personne, même si on peut se passer à travers. Par contre, tu me dis quand c'est bon que. Il y a du trafic, hein. Ah oui, non mais. Bon, tu me diras, c'est normal, les camions ça roule plus de nuit que de journée. Voilà, ah, je te vois avec le. Oh là là. Oh, ils se sont bousculés. Aïe. Moi je fais du forcing. Moi je suis garé dans mon garage. Hein. C'est, je te suis. Ça c'est cool. La bouche. Parce que tu remarques, mais ton camion il a quand même de la patate. Hein. Ouais. Oh, ça frise. Ça frise. Il a quand même 750 chevaux. Ah oui, putain la vache. Parce que moi j'ai pas. Il y a quelqu'un entre nous, non? Non, c'est ton cul ça. Ah, ça sera mieux qu'on aura quitté là tout le bordel parce que là ça frise un petit peu quand même. Un con, lui, il se met à droite pour tourner à gauche. Oui, c'est normal. Hein. Mais non, on se met sur la voie de gauche pour tourner à gauche quoi. Oui, mais ouais. Putain, l'autre il me fait une queue de poisson. Je suis dans mon garage, j'attends tranquillement que vous arriviez. L'autre il me fait une queue de poisson, je lui ouais. Vous allez faire comment pour me retrouver? Bah on fait la route. J'étais au garage, c'est bon. Ouais, Mika connaît la route. Bon, j'espère que je vais pas me prendre un excès de vitesse. Bon, tu me diras, je suis riche. Hein. Même si je me prends 500 euros, c'est pas grave. Je vais y aller doucement. Droite. Ouais, ça va, je te colle au cul. Enfin, j'essaie de pas trop te coller au cul parce que tout à l'heure j'ai failli me laisser surprendre quand t'as freiné. Alors... Putain, avec cette vitesse. Pourtant, je vais à la même vitesse que toi. Ou alors tu t'es bouffé toi aussi. Non. Waouh, le shit. Il shit. De toute façon, même si on a réussi à le rejoindre, après faudrait qu'il trouve une mission qui part de Paris, quoi. Ouais, pareil. De toute façon, il a juste à cliquer une fois sur la ville, sur la carte, et puis il va lui prendre toutes les missions à partir de là où il est, quoi. Oh,
Oh les cons, mais les cons. Ah et non, je te jure. J'ai roulé moins vite que toi, du coup. Enfin ça, je te suis. Non bah, pour l'instant, je préfère attendre que vous me rejoigniez avant de bouger, parce que sinon vous allez me chercher longtemps. De toute façon, je bouge pas. Putain, il y a du trafic, hein. Ah ouais, non, mais surtout que l'autre, il s'arrête comme ça. Et il met même pas de clignotant, pourquoi tu vas tourner à gauche. On est moins emmerdé en solo. Hein. Ouais, c'est plus prévisible quand même. Ah, ah n'empêche, on est limité à 90, alors que le serveur 2, non. Mais voilà, quel con. Hop. Putain. Je me suis pris le feu rouge. Il y a un espèce de modateur 85 qui est passé chez moi. Je me suis pris le feu rouge pour éviter la collision avec l'autre connard. C'est toi Mika qui est arrivé là? Non, on est encore un peu loin. S'il y en a un qui s'est garé chez moi. Oui. Bah, En multi, c'est chez tout le monde. Ah bah il faut me le dire si t'es derrière moi. Ah je sais, je me suis bouffé le feu rouge pour éviter la collision, mais après ça va, je suis reparti. Je suis pas resté bloqué quoi. Mais t'es filmé mon gars. Tu verras quoi, sur YouTube comment tu roules comme une burne. C'est ce qu'ils devraient faire les ennemis. Regarder sur YouTube, voir s'il n'y a pas des mecs qui font les cons, et puis relever les idées, et puis les bannes, quoi. Surtout que le jeu, il est assez assez bien abouti, quoi. Je trouve ça quand même dommage qu'il y ait des... Ouais, qu'il y ait des petits cons, ouais. Alors, je sais bien que c'est juste un jeu vidéo, c'est sans gravité, mais bon... ça reste un jeu de simulation quoi, ce serait quand même bien de se prêter au jeu quoi. De toute façon, il y en aura toujours des petits cons. Bah oui, dans n'importe quel jeu. Vous en êtes à combien là de Paris là? En 2 heures. Oh, je t'ai rentré dedans. Dégâts 26%. Ah bah, moi j'ai freeze. Ouais bah attends. 2 heures réelles ou 2 heures du jeu? Parce que 2 heures réelles, ça va faire loin. Ton freeze m'a coûté 28% de dégâts. Parce que tu t'es stoppé net quoi, t'as fait du 80 à l'heure à 0, comme si tu t'étais pris un mur. Et du coup c'est moi qui je t'ai tapé au cul. Ouais bah j'ai freeze, je sais pas pourquoi. Mais... Ouais mais t'es toi qui as tort, c'est toi de te mettre ton véhicule, c'est toi qui paye. Bah non. Allez le constat. On rembourse les réparations, un coup de pote. Ah, si je pouvais. Hein. Non mais la cote de la route c'est ça. Tu dois te mettre de ton véhicule, c'est celui qui rentre derrière qui paye les frais de l'autre. Oui bah bien sûr, j'allais sur l'autoroute, j'ai doublé une voiture, je lui freinais devant son nez, il va m'entrer dedans et puis je vais dire ouais c'est de ta faute, tu m'as rentré dedans. Bah oui. J'ai foutu carrément le frein à main pour être il doit sûr te mettre de son véhicule. Pas, quoi. Ah c'est vrai, c'est le code, c'est con mais c'est comme ça. C'est complètement... Non, bah, c'est con ce que tu dis, non c'est pas le code. Il y a des limites. Ah, j'ai perdu des points à cause de ça. Il y a des limites. Hein. De bonus. Il y a des limites. Moi au feu rouge, j'ai glissé sur une plaque de verglas, j'ai touché le cul d'un 4x4, et ben j'ai perdu mon bonus. Oui mais c'est différent, c'est dû à... Voilà, il y avait une plaque de verglas, voilà. Ah, bah même si c'était pas de ma faute, c'était un terre. T'as perdu le contrôle de ton véhicule, c'est surtout ça quoi. T'as perdu le contrôle du véhicule. Alors que là, c'est pas perdu contrôle du véhicule, collision provoquée quoi. Donc c'est différent. Collision provoquée, c'est pas forcément celui qui te rentre dedans, hein. Ça peut être celui justement où tu es rentré dedans. Vu que j'ai un crédit sur le dos, j'espère que j'ai pas explosé le camion trop vite. J'espère que les réparations ne vont pas me coûter trop cher. Pas besoin de faire l'essence, trop tard. Ah ça j'en parle plein.
Ah, je fais la moitié. Par contre, les réparations, c'est uniquement en ville, les trucs. On peut pas réparer dans les stations-service. Ouais, non, non. Mauvais fonctionnement du moteur. Veuillez visiter un atelier de réparation. Ah, ça commence déjà. Bah, si tu trouves un atelier dans, en ville, là, si tu vois une ville dans le à proximité. Parce que si le machin il tombe en panne et puis faut que j'appelle l'assistance, après on va se perdre de vue. Parce que comme ça va auto me téléporter au garage. Bon, on arrive dans une heure et demie. Hein. L'autre, j'ai un camion tout neuf, il me le bousille. Mais pourquoi tu m'es rentré dedans aussi? Hein? Non mais franchement. Ça m'a coûté cher cette escapade. Ne serait-ce qu'en ville. Mauvais fonctionnement des moteurs. Oui, bah j'ai compris. Relou d'être limité à 90. Ah, c'est un camion hein. Sinon je joue à une Formule 1 hein. sur le serveur européen 2 là, moi je roulais à fond à 140 ou 150. Ah, par contre là les rails faut rouler doucement parce que oui. Je me suis non mais une fois j'ai bousillé le camion et la cargaison avec. Deux fois d'ailleurs que je me suis roulé. Maintenant dès que je vois un passage à niveau, maintenant je ralentis quoi. Je suis du 30 à l'heure quand je le prends ça. Là, on arrive dans 58 minutes. Combien de kilomètres? 55. Oh bah ça. 55. Moi qui a l'habitude de faire des trajets de 500 bornes. Du moindre les 4 que je fais. En tout cas sur cette route là on a croisé personne. Ouais non. Ils aiment pas Paris. J'espère que. Ah je vois des immeubles au fond. Peut-être arriver à proximité. Ah freeze. Ah puis il redémarre, on a l'impression qu'il a une grosse nitro. Heureusement que j'étais loin de toi hein, parce que tu sais même si j'ai pas de remorque, faut quand même freiner de bonne heure. Hein. Je sais pas c'est quoi les frises, surtout si t'en as pas. Non moi j'en ai pas. Ça m'arrive d'avoir une fois toutes les demi-heures un petit. Petite saccade mais c'est minuscule quoi, c'est pas des frises quoi, c'est comme là à l'instant j'ai eu minuscule petite saccade mais c'était vraiment un dixième de seconde quoi. Bon on arrive en ville là. Ouais. Ça c'est une entreprise parce que je voudrais un atelier pour réparer réparer les bobos puis que je faut pas que je te colle trop au cul parce qu'avec tes frises ah on est arrivé à Paris yeah. Puis aucun feu qui fonctionne ici. Il y a un truc de réparation apparemment devant mon garage. Ah ça c'est cool. Ouais, comme une clé. Ouais ça doit être ça. Un panneau rouge. Je sais pas si c'est ça mais.
Je commence à le voir sur le truc là. Après le tout, c'est de trouver l'endroit, l'entrée. Juste à côté. Faut que j'aille à gauche. Parce que là, c'est que je t'ai perdu, Mika. Parce que j'ai le canon qui se coûte quick. Bon, je vais au truc de réparation. Ouais, je suis allé après. Là. J'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Alors, c'est où? C'est là, c'est à gauche. Il y a déjà quelqu'un. C'est brave. C'est une collision. Hop. Alors, réparation. Hop. Moteur, transmission, châssis, cabine, roue. 18 408 euros de réparation. Putain, ton freeze, il m'aura coûté cher, hein. Hop, on va me rentrer dedans. Quand je suis bleu, 18 000. Ah, puis il pleut maintenant. Bon, maintenant faut que j'arrive à vous retrouver. Alors, je sais que t'avais été tout droit, toi. Hein. Personne derrière, c'est bon. Oh, mais l'orage. Par contre, c'est chiant qu'ils aient désactivé les feux rouges, parce que c'est le meilleur moyen que tout le monde se brûle la politesse. Bon, quand je le trouve, votre garage, moi. Avec tout GPS, pardi. Ouais, bah, je visite, hein. Je n'arrive bien pas à retrouver. Est-ce que je peux dézoomer? Oula, j'ai trop dézoomé. Indique rien le GPS, hein. Non, mais tu le trouves pas, ou alors tu le cherches sur la map, quoi. Je crois qu'il va falloir que tu viennes me chercher, parce que franchement Là, je suis en train de faire toutes mes manœuvres pour pouvoir me livrer cette machine. Ou alors c'est peut-être le point d'interrogation là-bas. Parce que moi je le vois pas, parce que c'est un garage qui m'appartient pas, donc moi je peux pas le voir sur le GPS. Ah, frise de merde. Je vais faire pipi, j'en reviens. Ça, à mon avis, c'est parce que comme c'est un garage que je possède pas, du coup c'est pas indiqué sur la carte, quoi. Ça se trouve, ça doit être le point d'interrogation là-bas. Merde, je roule à gauche comme un con. Il m'avait dit, il avait dit que c'était à côté de du truc de réparation, comme j'y étais tout à l'heure. Quoi? Est-ce que je peux parler plus? Oui, je fais ça. Ah, attends, il y a un truc de maison là-bas. Je sais pas si on a le droit de faire la marche arrière, vu qu'il n'y a pas l'air d'y avoir foule. Je pense avoir trouvé. Oui, allô? Donc ce serait sur la gauche. Et puis moi j'avais été de l'autre côté pour...
Par contre, elle est où l'entrée? Ça devait être ça l'entrée. Il y a marqué 1, c'est ça? Oui, la porte, oui. Bon bah c'est que je suis arrivé, hein, mais je vois aucun de vous deux. Hein. Bah je vois pas Mika. Alors, là il y a le truc. Machin, ok. Garage, il est là. Ah c'est, je te vois Mika. Il y a merde. Motador. Ouais. Ah zut. Bon, et on a pas de Seb. Ouais. On le voit même pas dans le. Quand t'appuies sur table, on le voit pas dans les environs. Ouais. Et est-ce qu'il est toujours connecté au moins? Je suis là, moi. T'es où? Parce que nous on est au garage. Hein. On est au garage de Paris. Hein. Non, pourtant ça marche bien à Paris, moi. Mais t'es au truc de réparation ou au garage J'y reviens au truc de réparation, je l'ai pas vu. Là, je suis au garage, moi. Bah, on te voit pas. Ah, sort du garage. Enfin, sort du je garage. Sorti, hein. Mets-toi sur le côté, quoi. Bon, pourquoi ça klaxonne? Je sais pas. C'est tout au niveau du garage. Sur le terrain, quoi. Le terrain du garage. Parce qu'il y a une deuxième sortie, alors je regarde, je vais faire fermer toi le camion. Ça se trouve vous êtes de l'autre côté. Ça se trouve t'es sur le serveur 2. Ou US, je sais pas, mais. On devrait te voir rien qu'en rien qu'en faisant table, on devrait te voir nous. Ouais, on devrait avoir son camion. Et peu importe où il est, du moment qu'il est visuellement. Qu'on peut le voir visuellement. Ah, il a dû se tromper de serveur comme tu dis. Il doit être sur. Il a dû aller sur le serveur 2 ou comme tu dis le truc US. Parce que s'il est bien à Paris et au garage, on devrait le voir. Il est pas sur, on n'est pas sur le même serveur, hein. Ça c'est sûr. Attends, je déco, je vais aller voir sur le serveur 2. Ah non, c'est sur le serveur 1. Là t'es en train de conduire avec ton camion, tu le bouges, tu fais quelque chose. Ah oui je bouge, ouais, je visite dans le garage pour essayer de vous trouver. Il y a bien un terrain avec 2-3 portes, un truc comme ça. J'ai deux portes moi. Sur le serveur européen 2. Si je t'y vois pas, j'irai voir sur le US, mais sinon, bah, je sais pas ce qui se passe. Il est invisible. Bah, je suis en travers. Là, est-ce que tu vois d'autres joueurs au moins? Non, je vois rien, il y a personne. Oui, bah tu vois, à mon avis, il doit être en off. Décotoie, il recotoie. À mon avis, c'est parce qu'il a été déconnecté, il est en off. C'est pour ça qu'on le voit pas. En tout cas, sur le deuxième européen, il y a personne au garage. Attends, je... Parce que là, ça arrête, depuis qu'on est arrivé, ça arrête pas de circuler. Alors, si toi, tu vois pas un seul chat, c'est que t'es pas connecté. Hein. Attends, je me recours.
J'ai arrêté, je le relance. De toute façon, c'est facile à savoir. Si tu vois pas de neige, c'était pas sur le serveur. Vous êtes sur lequel, là? Sur le 1. D'accord. Bah là, faut que ça se relance, hein. Play. Continuer la partie. Je vais directement sur conduire. Ouais, Bubu, je le vois là. Ouais, tu le vois? Ouais, je le vois. Il a 38 mètres, un truc comme ça. Toi ah, aussi, oui. 24 mètres. Je vois son pseudo, mais je sais pas précisément où il est. Il est devant. Ah ouais, ça, je le vois. Bon, bah, mission accomplie.